beaucoup, Émilie. Donc, bonjour, merci de me donner l'occasion de parler un peu de ce territoire d'Amazonie, des territoires isolés et frontaliers. Donc je vais essayer de vous exposer un petit peu nos problématiques et puis un petit peu les espaces d'innovation qu'on a essayé de mettre en place. Alors, s'il veut bien marcher. Donc l'état des lieux, très très rapidement, donc la Guyane, une prévalence qui est au-delà de 1,5%, une épidémie qu'on dit généralisée, mais une épidémie qui est concentrée sur certaines populations cibles, donc on en a parlé, le professeur Cabien en a parlé. On est dans une zone géographique où on a du test and treat, hein, contrairement au Suriname où on traite seulement en dessous de 350 CD4. Le Brésil voisin traite également en test and treat, mais il faut savoir que le traitement n'est disponible qu'à Macapá, qui est à peu près à une journée de piste de la frontière guyanaise, en saison sèche, et qui n'est parfois pas accessible en saison des pluies. Donc on y reviendra. Alors, qu'est-ce que c'est que ces zones isolées ? Il faut savoir qu'en Guyane, on a à peu près 270 000 habitants, 20% qui résident en fait sur ces zones qu'on dit isolées, c'est-à-dire frontalières, qui ne sont pas en fait le littoral. On a une route, une unique route en fait sur le littoral, où se trouvent les hôpitaux de Saint-Laurent, Kourou et Cayenne, et en fait sur l'ensemble du reste du territoire, qui est à peu près grand comme le Portugal, qui est recouvert en fait de forêts amazoniennes, on va avoir des villages qui peuvent être plus ou moins importants, et sur lesquels donc nous avons 18 centres délocalisés de prévention et de soins, qui sont les uniques en fait possibilités pour avoir un accès aux soins. Sur ces zones isolées, en fait, il y a beaucoup d'habitations qui se trouvent sur ces zones frontalières avec le Suriname ou le Brésil. Et donc, pour faire accéder aux soins et notamment en prise en charge, dépistage et suivi du VIH, on a mis en place des consultations délocalisées en infectiologie sur ces différents points. Donc, voilà. Donc, les consultations se font. Ben, on y va. Donc, c'est pas accessible par la route. Hein, donc, on y va en pirogue, en avion. Donc, on s'adapte. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait sur ces zones-là? Il faut savoir que le territoire de la Guyane est un gros espace de migration, qu'on a donc des grands mouvements migratoires qui ne sont pas équivalents. On a un mouvement migratoire haïtien pour des raisons économiques, politiques, environnementales, lié aussi à une forte homophobie. On voit en Guyane arriver beaucoup de HSH discriminés. On a une migration brésilienne sur les pays du Nord-Est, les pays les plus pauvres, vers la Guyane, notamment liée à l'orpaillage illégal. Et on a une migration du Suriname voisin, qui est actuellement en crise économique. Et il y a eu effectivement une migration liée à des problématiques politiques. Alors, parler de migration, bon, c'est toujours un petit peu générique. La question est peut-être plus de définir, de catégoriser en fait qui sont les migrants, quel est le motif en fait de migration qui va nous aider dans leur prise en charge, qu'il soit donc économique, politique. La durée de résidence va être différente, c'est-à-dire qu'un Brésilien originaire du Maranhão qui va venir sur le territoire guyanais en fait pour travailler va avoir une migration qui peut être temporaire, de quelques années pour accumuler de l'argent et le renvoyer à sa famille. Ce qui n'est pas forcément la même chose qu'un un migrant haïtien qui va plus avoir tendance à se localiser sur le littoral et à au contraire à essayer de s'intégrer au sein de la structure guyanaise. Donc on a effectivement des circonstances donc régulières ou clandestines qui vont en fait modifier les caractéristiques de la prise en charge. Bon, là, je vais passer assez vite, mais migration et santé, c'est quand même des approches qu'il nous faut penser en termes de parcours migratoire, avec des caractéristiques individuelles, des prévalences qui dépendent du milieu d'origine. C'est sûr que des Haïtiens qui viennent, des migrants haïtiens qui viennent d'une zone de forte prévalence, ça ne va pas être la même chose que des migrants originaires d'autres pays. Et on a, ceci dit, on a un effet qu'on dit l'effet saumon,
le biais du saumon, en fait, qui est que quand même, en tout cas en Guyane, on a une majorité des migrations qui sont liées à des problématiques économiques, c'est-à-dire qu'on a des populations jeunes qui migrent pour des raisons économiques, qui sont donc théoriquement en bonne santé, et qui malheureusement, du fait des précarités rencontrées sur le territoire, la zone d'accueil, vont se mettre en situation à risque, et donc vont accumuler en fait des problématiques de santé. Donc ils arrivent en bonne santé et ils repartent en mauvaise santé, d'où le biais du... ce biais-là. Donc qu'est-ce que c'est que la santé, la migration en Guyane et le VIH ? On sait, et ça c'est le docteur Jolivet qui l'a montré, que contrairement à ce qu'on aurait pu penser, les gens ne viennent pas en Guyane pour des raisons de soins, mais majoritairement pour des raisons économiques. Il existe de grandes disparités de santé et d'accès aux soins selon le statut migratoire, en sachant que la situation irrégulière est clairement un mauvais indicateur de santé. On a... sur des études répétées, des dépistages qui sont plus tardifs du VIH. On a également plus de ruptures pour soins. Et malgré une législation plutôt favorable en France, c'est-à-dire donc une possible accès à l'aide médicale d'État, si on peut justifier depuis 3 mois de résidence sur le territoire, on a de nombreuses barrières à un accès effectif aux soins. Pour exemple, les CCAS ne font pas de certificat d'hébergement, notamment sur les zones isolées, pour avoir droit à l'AME. Nous avons des barrages routiers qui empêchent la mobilité sur le territoire, tout un certain nombre en fait, de contraintes sur lesquelles le docteur Florence Hubert est revenu. Donc on a par exemple 82% des entre guillemets sans-papiers qui n'avaient pas accès à l'AME sur Cayenne. Il en est de même sur les zones isolées. Alors la question ici en Guyane est également de penser, peut-être de repenser la question des frontières et de ces, je dirais plutôt de ces border areas. Enfin, c'est des zones frontalières en fait. C'est des zones qui évidemment sont négligées, zones où les politiques sécuritaires priment souvent sur les programmes sanitaires et sociaux. On sait que c'est des zones où il y a des prévalences élevées de violence, d'usage de drogue, de prostitution, qu'on a souvent des comportements défavorables de santé. C'est particulièrement vrai en Guyane, où en fait les zones frontalières sont beaucoup des zones de repli liées à leur paillage illégal. Donc on va avoir une association en fait de trafic, en fait de narcotrafic au niveau du Sadrina, mais aussi de trafic humain avec des travailleurs du sexe, des zones de passage avec des process de migration, et donc une grande vulnérabilité sur ces zones. Mais aussi, ça je pense, et j'y reviendrai au travers des innovations qu'on a mis en place, ça peut être aussi vu comme des zones de ressources, de mobilité et de refuge, des zones de passage. Donc c'est des zones où on va le voir, proposer du dépistage, on va pouvoir proposer de l'accueil. Alors, la courbe en noir, c'est la courbe du VIH sur les zones urbaines en fait. Donc en gros, on a une phase de plateau qui se situe en gros entre 120 et 150 nouveaux dépistés par an. Et il faut voir que sur les zones isolées, en fait, on a une arrivée un petit peu plus tardive du VIH, qui probablement a été médiée, comme on l'a décrit en Afrique par les camionneurs, était probablement médiée par les piroguiers qui ont remonté le fleuve et participé à la dissémination du virus. Et une épidémie qui malheureusement à ce jour n'est pas contrôlée. Donc sur le plan cartographique, donc ça c'est un travail qu'on a réalisé. On peut voir qu'on a des zones, on a une répartition spatiale qui est hétérogène. Donc on a des points un petit peu clés que sont Saint-Georges de l'Oyapock et en face la ville d'Oyapock côté Brésil, et puis des zones donc notamment sur Maripasoula en fait. Qui sont des points un petit peu chauds où on sait qu'on va avoir en fait, notamment en face, d'autre côté de la frontière, des grosses zones de passage et puis des territoires que j'ai mis en vert là, mais qui ne sont malheureusement plus depuis cette année en vert, qui sont plutôt des territoires amérindiens, donc ici Wayana, ici Wayampiteco, qui malheureusement en fait étaient jusque là épargnés par l'épidémie de VIH, qui malheureusement en fait sont maintenant touchés. Juste
pour continuer sur la migration, sans Georges de l'Oyapock, on va avoir des passages de migration qui vont être relativement complexes. Ici, donc, on a les orpailleurs illégaux qui vont passer pour aller en forêt sur ces zones-là en fait, d'orpaillage. Mais on a également une migration d'Afrique de l'Ouest qui va venir par cargo au niveau du Brésil et passer sur le territoire français via cet axe-là. On a également aussi, par exemple, une migration de patients originaires de Syrie qui vont prendre un avion du Maroc pour le Brésil et passer sur le territoire français via ce biais-là. Donc les processus de migration, les intentions sont vraiment différentes, mais par contre, ce qui va être équivalent, c'est le passage sur ces zones-là, par exemple, de l'ensemble de ces personnes. Donc sur ces zones isolées, vraiment, ce qui va primer, c'est la grande vulnérabilité, précarité financière, un isolement évidemment géographique, hein, puisqu'on est donc sur les zones d'orpaillage, parfois à 2 jours de pirogue du premier centre de santé qui est lui-même à 1 heure d'avion de Cayenne. Des parcours de migration, on l'a vu, qui sont complexes et pluriels, et puis des bas niveaux de scolarité, beaucoup d'illettrisme. Un phénomène qui est particulier, c'est celui de la stigmatisation, mais qui est également lié au niveau d'éducation. Hein. Les travaux menés sur le Maroni l'ont bien démontré, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'hyperculturaliser un problème qui est avant tout un problème d'éducation à la santé. Beaucoup de sorties du système scolaire très précoces. On dit que dans les zones isolées, on a 20 à 30% des enfants qui sont déscolarisés. Donc, comme je vous l'ai dit, on a des parcours de migration qu'on a essayé de cartographier pour savoir où est-ce qu'ils passaient, pourquoi est-ce qu'on les voyait dans certains centres de soins et pas dans d'autres. Ce qui fait que, par exemple, là, ici, à la frontière avec le Suriname, on a un tiers de notre file active de personnes vivant avec le VIH qui est d'origine brésilienne. Pourquoi ? Parce que les zones d'orpaillage, elles sont ici, que 98% des orpailleurs sont d'origine brésilienne et qui vont aller se drainer sur le dispensaire le plus proche qui est ici, et avec une zone de repli donc côté surinamais. D'où l'importance, en fait, je pense, de cartographier de façon pluridisciplinaire ces zones de passage pour essayer de mieux comprendre les stratégies, les arbitrages individuels. Donc évidemment, l'épidémie de VIH n'est pas la même sur le littoral qu'en zone isolée. On va avoir par exemple sur le littoral une prédominance de migrants haïtiens, alors que sur les zones isolées, on va avoir évidemment plus de patients brésiliens. Alors ça a un impact. On sait que le retard au dépistage qui est important, là, et ce qui est vraiment notre problématique actuelle, que de mieux cibler, d'arrêter de louper cette cible du dépistage, on sait qu'on a un retard au dépistage qui est d'autant plus grand chez les hommes plutôt que chez les femmes, puisqu'on a un dépistage au moment de la grossesse qui nous permet de remettre dans le soin les femmes. On sait, là, sur un travail qui est en cours de soumission, que la nationalité brésilienne est un facteur de retard au dépistage. Pourquoi ? Parce que les migrants brésiliens vont bénéficier, en fait, de l'entrée au dépistage via la Croix-Rouge, via une structuration, en fait, au niveau du littoral du dépistage, qui n'est pas le cas forcément pour les orpailleurs brésiliens. On a en Guyane, en gros, un gros tiers de dépistage tardif. Ce qui nous invite à repenser les populations clés, on a parlé donc des incarcérés, on sait que les HSH sont une population également importante, les travailleuses et travailleurs du sexe, peut-être également les orpailleurs, à repenser, en fait, ces stratégies de prise en charge en fonction des populations. Il est important aussi d'éviter en fait, dans le cadre de ces répartitions hétérogènes, l'arrivée d'épidémies sur des zones qui, pour l'instant, étaient protégées. Là, la question des populations amérindiennes est assez cruciale en ce moment en Guyane, puisqu'on sait que, en fait, ce sont des populations mobiles qui vont avoir des mobilités qu'on dit pendulaires, en fait, le long du fleuve, et qui vont être consommateurs de prostitution, en fait, sur ces zones de repli, et qui vont être à risque de se contaminer. Donc on a clairement un risque, en fait, de dissémination sur ces populations amérindiennes qui nous préoccupent beaucoup et qui nécessitent, en fait, de faire de la prise en charge en langue amérindienne, de la prise en charge en travaillant avec les leaders d'opinion, les leaders communautaires. D'autant plus qu'on sait que les épidémies
en milieu amérindien peuvent être extrêmement explosifs, comme on l'a vu notamment des communautés de l'Orénoque du Venezuela. Alors, face à ça, en Guyane, globalement, sur les projections ONU-SIDA, en fait, on est plutôt pas mal. Le souci étant et restant, effectivement, cette question du dépistage, d'améliorer, en fait, et de mieux cibler les populations les plus à risque, de développer, évidemment, une prise en charge globale, médicale, culturelle, sociale. Je reviendrai sur le côté médiation. L'intérêt de ces prises en charge avancées sur les zones isolées, on est arrivé donc depuis 4 ans qu'on les a mis en place régulièrement. Il faudrait accélérer ouais, un peu. J'accélère. Ok. Avoir le même taux de succès virologique que sur le littoral. Un mot rapidement. Donc, la médiation culturelle centrale sur ces zones isolées qui nécessite des compétences interculturelles. Un empowerment de la communauté, mais ça, Claire de AIDS reviendra dessus. Je vais juste m'arrêter sur un projet, donc un projet Oyapock Opération Santé, qui est un projet en fait transfrontalier avec le Brésil, avec 3 volets, un volet formation biomédicale et un centre d'appui, un gros projet de 2,5 millions d'euros qui avec on a un ensemble de logos. Qui est important, puisqu'il y a eu des échecs successifs de la coopération transfrontalière, et là on est arrivé à développer en fait un programme efficace de prise en charge en santé sexuelle et globale avec nos collègues brésiliens pour la prise en charge. Donc, la première chose a été de développer une vision commune, j'en parle très rapidement, j'aurai plein de choses à vous dire, mais une vision commune du territoire sur une zone transfrontalière. Extrêmement intéressant de se mettre d'accord en fait sur les objectifs à mettre en place pour améliorer de part et d'autre en fait la prise en charge, juste très 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 rapidement en pratique, ce qui nous a permis de mettre en place de la PrEP chez Traverse du Sec, les HSH, cette zone-là, de développer du trot systématique, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'opportunités de dépistage qui avaient été manquées, notamment chez les jeunes hommes sur ces UBS, enfin les équivalents des quartiers, de mettre en place une consultation sexo pour l'homophobie. Que les généralistes puissent nous orienter en fait des patients qui pourraient bénéficier de la PrEP ou d'un accompagnement plus LGBT, on va dire, friendly. Une zone d'hébergement pour ces populations qui sont particulièrement mobiles et précaires. Un accompagnement central avec des médiateurs transfrontaliers, que ce soit du côté français et brésilien. En fait, on est très pratico-pratique. On a des staffs transfrontaliers qui nous permettent d'optimiser la prise en charge au cas par cas. Le patient va être suivi avec ses charges virales côté français, mais va bénéficier d'une prise en charge addicto côté brésilien. Je vais faire un certificat pour qu'il obtienne en fait de l'argent pour, côté brésilien. Enfin, il y a vraiment une optimisation. Donc je finirai donc sur les perspectives, donc également développer une recherche-action sur ces zones-là pour essayer de visibiliser et d'avoir des indicateurs de suivi de ces programmes, et donc un soutien là de l'ANRS pour un futur projet de recherche en épidémiologie sur cette zone-là. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je vous propose de faire la discussion avec la présentation qui sera faite tout à l'heure sur le Maroni, et donc du coup de passer directement à la présentation de Steve Laguerre sur les HSH en Haïti. Et donc, on fera une discussion fleuve Guyane après.